Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'améliorer un peu cette partie ici. J'aimerais bien faire de la déco aujourd'hui. Donc on va peut-être faire ce bâtiment-là. Là, j'aimerais bien faire ce bâtiment dessous là qui va servir à observer les hippopotames. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite. Ah oui, tiens, je suis en train de penser, il y a un truc qu'il faut que je pense à faire, c'est mettre des trucs de dons un peu de partout devant les enclos. C'est un truc que j'ai oublié de faire. Voilà, j'ai commencé aussi à faire une espèce de petit élément là pour faire le tour de cet enclos-là des hippopotames. On fera un truc un peu comme ça avec des ouvertures assez sympathiques, vous allez voir. Donc première chose que je voulais faire, moi, c'était finir cet enclos-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va former le bâtiment là. Donc on va faire du contrôle D, hop, tac. Ah, c'est pas mal ça. Par contre là, ça va pas aller. Tac. On est d'accord que là je suis pas dans le sol. Ok. Ah, il faut que j'en mette dessous aussi, non? Non, là, là. Parce que j'ai l'impression que je suis pas. Voilà, comme ça, comme ça. Non, comme ça. Ah non, comme ça en fait. Hop. Hop. Donc ça on supprime du coup. Mais attendez, faut que je sois en face de l'autre là-bas. Ouais, ça fera l'affaire. On va s'en débrouiller. Hop. Je reprends ça. Clac, 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 clac. Non, du tout. Hop, là, là. Alors là, l'idée. Peut-être mettre une vitre ici. On va sûrement mettre une ouverture là. Hop, voilà. On va essayer de rendre ça un peu plus joli. Donc ce qu'on va faire, donc là on a notre bâtiment qui est pas mal. On mettra des trucs à l'intérieur après, des lumières, tout ça. Là, j'aimerais bien avoir un enclos ici. Vous voyez là, tout là. Je sais pas encore ce que je mettrai dedans, mais on va faire un enclos ici. Donc ici, il faut qu'on habille ça. Alors là, on va l'habiller avec des pierres. C'est dans la nature, les pierres, hop. Ouais, c'est celles-là, les pierres qui vont bien là. Ça, c'est quoi? Rocher toundra, taïga. Ouais, on va mixer un peu taïga, climat tempéré, je pense. Il y a quoi d'autre comme caillou gris là? Désert, non. Ça c'est quoi, tropical? Non, j'aimais bien les comme ça un peu là. Hop. Taïga, tempéré. Ouais, tempéré et taïga. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une espèce de Hop, donc là le problème c'est qu'on va avoir deux types de pierres qui vont se ressembler, qui vont se toucher. Comment pouvoir faire ça? Peut-être qu'il va falloir faire une espèce de dégradé. Peut-être qu'on va essayer de faire une espèce de dégradé. Donc là on a du comme ça. Hop, on peut essayer de passer un peu. Non, je veux pas faire ça, je veux faire ça. Peut-être qu'on peut passer un truc un peu comme ça. Clac, boum. Donc là déjà, a priori, c'est pas la même couleur les deux là.
Ah si, je suis sur savane. C'est désert que je voulais. Mais il n'y en a pas beaucoup du désert, mais donc. Désert, désert. Ah mais il y a désert comme ça et désert comme ça. Désert rouge. Il y a désert rouge et désert normal. Ah c'est ça que je voulais. Déjà, entre désert et. Et lui, il y a une petite différence. Qui est déjà un petit peu intéressante. Hop. Ok. Bon, ça se voit pas des masses ici. Ensuite, on pourrait passer sur du tropical. Hop. Clac, on va sur du gros indirect. Hop, comme ça, on va essayer d'en mettre un autre. Un peu comme ça. Paf, voilà. Ah, en vrai, c'est pas mal, hein. Et là, après, on aura celui-ci. Non, qui est déjà trop clair. Celui-là. Ah, celui-là, pas mal. Ouais, celui-là, pas mal en vrai. Hop. Paf. Hop, alors là on va passer sur de la modif un peu poussée. Hop, clac. Check. Ça me paraît pas mal comme ça. Là, on mettra des petites rambardes. Je sais pas si on mettra les rambardes de base ou est-ce qu'on en fabriquerait pas, on verra. Alors, peut-être que là en fait on va pas mettre de mur. Peut-être que là on va pas mettre de mur et on va mettre une façade. Ouais, je pense que ce qu'on va faire c'est que là on va pas mettre de mur. Hop, ici non plus. Et on va y habiller en pierre. Ce sera beaucoup plus classe. Attendez, là j'étais sur toundra. On va mettre de la taïga. Paf. Paf. Voilà comment on fait des murs en pierre. Je trouve que c'est assez facile et c'est vite, on a vite quelque chose de satisfaisant. Simplement avec des petits rochers comme ça, on a rapidement un truc qui est probant. Elles sont très jolies ces textures. Mince. Hop. Attention, on va pas essayer de pas dépasser là-bas. Voilà, là on a un truc pas mal. Donc là, je suis sur du quoi là? Sur du taïga. Moi, je voulais terminer sur du tempéré comme ça. Donc on a ce qu'on veut là. Paf. Ok. Ça c'est tout petit. Ça c'est peut-être un peu gros. Ça c'est encore plus gros. C'est encore plus gros, mais en même temps, c'est pas mal. En même temps, lui, il est pas mal du tout. Il va dépasser, et eh oui, évidemment. Paf. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, à l'intérieur, ça donne quoi? À l'intérieur, ça donne ça. Hop. Hop. Bam. On essaie de mixer un peu ou de les tourner simplement. Et on obtient rapidement un truc joli. Là, j'aimerais bien garder au moins le poteau en béton qui me donne vraiment le truc correct de mon mur. Ah, où je mets un poteau comme ça carrément. Poteau en pierre. Ouais, non. Non, non.
ça va pas le faire. Parce que j'ai un truc plat là. Sinon, je prends le gros gros. C'est lequel? C'est celui-là? Non. Celui-là. Non plus. C'est lui le plus gros? Peut-être bien. Lui, il a un côté bien plat. Non, c'est pas lui, ouais. Là. Clac. Voilà. Mince, je suis passé au travers. Ok, alors ça c'est pénible. Hop là. On va changer le mode de vue. Voilà, voilà, c'est mieux ça. Ok. Donc là du coup, choc. Hop. Hop, on va un peu dessus là, n'essaie pas laisser trop d'espace. Alors, hop, là on passe de l'autre côté maintenant. Ce serait bien qu'on ait un espèce de... Bon, je vais garder ça comme ça. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop gros. Là, j'aimerais bien habiller ça. Carrément comme ça. Est-ce que là, je suis assez haut? Non, je monterai mon truc en vert pour être assez haut après. Alors, attendez, là, on va essayer de... trouver des petits rochers ronds qui sont à peu près de la bonne taille. Juste pour hop, tomber à peu près comme il faut. Paf. Hop. Celui-là, il doit être pas mal, mais il est un peu court, un peu petit. Celui-ci va être pas mal, mais trop haut. Ouais, quoique, si on le met dans l'autre sens, ouais, il va être trop gros. Il va être trop gros. Celui-là, là, celui-là, c'est pas le même encore. En le faisant tourner un petit poil comme ça. Hop. Nickel. Ok, parfait. Ensuite, celui-là est beaucoup trop petit. Celui-ci trop petit aussi. Ouais, ça peut le faire. Hop. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout ce qu'on a. Je suis content de ce que je fais. Alors, là on peut peut-être prendre un comme ça. Non, c'était pas celui-là. C'était... Ah, celui-ci est pas mal aussi. Un poil petit dans ce sens-là. Ah, lui, il est bien. Dans ce sens là plutôt. Hop. Il va falloir mettre quelque chose en dessous quand même. Je trouve que ça fait pas terrible.
Hop, comme ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ok, ça de l'intérieur, ça donne quoi? C'est un peu vilain. Y en a des tout plats normalement. Clac. Essayer de faire un truc bien quand même, hein. Un minimum. Un minimum bien. Que ça rende joli. Hop. J'espère qu'on dépasse pas au-dessus de la route. Je vais pas vérifier ça. Non, ça va. C'est parfait. Ces cailloux sont parfaits. Parfaitement parfait. Faites voir celui-là à quoi il ressemble. Ah, j'aurais pu mixer un peu. Allez, on va reprendre à partir de là avec l'autre. Hop. Hop. Bon, c'est peut-être pas officiellement à regarder, mais il faut le faire, hein. Je suis désolé. À des moments, il faut que je fasse ça. Hop. Ça vous montre un peu aussi le temps que ça prend de faire des décos. Donc comme ça, vous voyez un peu le temps que j'ai passé sur sur toutes mes décos un peu partout. Parce que j'en ai fait un paquet maintenant. J'en ai fait un sacré paquet. Surtout les murs en pierre là. Les murs en pierre, ça j'en ai mis de partout. C'est trop fin ça. Ça va pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Hop, alors là, tchouk. Je crois que là, on va commencer à dupliquer des trucs un peu. Hop. On va essayer de faire un truc comme ça, là. Hop. Voilà. Hop. Bam, de toute façon, là, on essaiera de mettre des rochers un peu aussi là-dessous. Là, j'aurais pu essayer de faire un truc un peu différent. C'est trop petit ça. C'est pas mal ça. Faut essayer de faire que ça fasse un peu réaliste quand même. Hop. Pas que ça fasse trop droit non plus. C'est pas mal ce petit dégradé là finalement. Je suis assez content. J'avais un peu peur au début mais. Voilà, on pourra mettre quelques petites plantes là. Peut-être que quelques petites plantes pour qui plairaient. Enfin qui iraient dans le thème de l'hippopotame. Le long. À l'intérieur qui pendouille aussi, ça pourrait être sympa. Alors on va continuer, hop, on va continuer ça, ça,
Hop, juste le fait de le monter ou le baisser un petit peu, le tourner, et on voit plus que c'est va créer de la non-symétrie en fait. Hop, on va changer de pierre un peu aussi, clac, hop, clac. Alors là, par contre. Il faudra mettre quelque chose là pour le délimiter en haut, je pense. Hop, on va se tourner pour finir là. Alors là, comment on va faire? On va voir. Parce que là, on va peut-être faire autrement. Là, il va falloir combler avec de la pierre là. Hop. Là, on a une belle face plate. Paf. Voilà. Alors, bon, je vais peut-être m'arrêter là et on finira ça plus tard. Je finirai ça plus tard. C'est vrai que c'est un peu relou quand même à regarder. On va faire un peu de gestion. On va se faire un petit peu de gestion. Là, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Un peu qui sortent par là, clac. Hop. Ah, attendez, hop, t'es. Bah, j'ai envie de faire une espèce de petit. Avec les pierres, là. Une petite dépassée là. Puis là, on fera une petite déco peut-être. On verra. Bon, ça prend forme en tout cas. Ici, on fera peut-être des fenêtres. Par là, là. D'ailleurs, il va falloir le remplacer tout de suite en fait, ça. Donc ça, c'est dans les constructions. C'est des murs en pierre sèche. Donc c'est dans les murs. Si je tape pierre, là. Alors, pierre sèche. Ils sont où? Là. Devanture, c'est pas terrible. Grande fenêtre, on peut faire ça. Trois grandes fenêtres comme ça qui donneront sur l'enclos qui est là. Ah, juste deux en fait. On va mettre, j'ai une idée parce que là on va mettre des bancs quand même à l'intérieur de ce bâtiment. On va essayer de mettre des bancs pour pouvoir regarder les hippos là. Hop. Donc là, notre bâtiment, il commence à prendre forme. Ok. Peut-être qu'on fera un mur en pierre là, d'ailleurs, du coup. Ah ouais, c'est pas bête ça. J'ai une idée. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une espèce d'observatoire en pierre ici là, qui va venir jusque là. Alors, du coup, bon, bah, du coup, on va continuer à se taper de la pierre en fait. Hein. Alors, la pierre, on va prendre des pierres comme ça. Hop. On va faire un peu des trucs comme ça, Jack. Hop, là. Pouf. On va mettre un poteau quand même. X. Hop. Hop là, ça on va le mettre comme ça. Tchouk. Alors, plus par là peut-être. Voilà.
Ok, donc là on va mettre de la pierre plate dessous. Faut essayer de s'aligner quand même avec le mur. Parce qu'on va essayer de mettre une vitre en fait là. On va faire comme ça. Et ce que je veux dire du coup. Hop. Là, je vais le mettre assez haut parce que je sais pas trop encore ce que je vais mettre comme animaux dedans. Qu'on ait un peu de marge. Qu'on ait un petit peu de marge de manœuvre. Là, par contre, ce truc là. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Ensuite. Je sais pas si ça va faire très réaliste, mais bon. Un peu comme j'ai fait pour les lions là. Ok. Un peu plus gros. Ou encore plus gros, je pars du. Voilà. Sachant que là, du coup. Ouais, si on, ils pourront voir les animaux d'au-dessus là et de là. Ouais. Ce sera pas mal quand même. Pack. Ok. Ah. J'appuie tout le temps sur ce machin. Sans le vouloir. Hop, là il manque une pierre. Boum. C'est pas mal comme truc. Ça rend bien. Ça rend plutôt bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En termes de hauteur, on est un peu trop haut. Hop. Paf. Voilà. Là, on mettra une vitre au milieu après. Là, on mettra deux vitres là-bas. Ce sera pas mal, ça, non? Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Simplement, avec quelques pierres. Ce qu'on arrive à faire. Non, ça j'ai pas besoin que ce soit si grand. Alors là, on va essayer de continuer ici du coup. Clac. 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 Hop. Pouf. Pouf. Alors, tiens, on a un gros aussi. C'est bon, on passe pas à travers le sol. Tout va bien. Hop. Paf.
J'aime beaucoup les musiques aussi, ça détend pas mal quand même. On est d'accord. D'ailleurs, je me suis mis à écouter la bande son qui est disponible sur Spotify. Très agréable en travaillant. Ça me plaît pas trop comme rocher là. Attends, j'avais celui-là qui était un petit peu pointu et penché, que j'aurais peut-être même pas besoin de retourner. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon, il y a juste un petit trou là. On va mettre un tout petit caillou, comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, typiquement, ça fait pas très réaliste. Ça fait un peu trop. Empilé. Hop, on va essayer d'en rajouter pour créer du volume un peu. Ah, c'est mieux là. C'est déjà mieux. Ça commence à ressembler à quelque chose. D'accord, hein. C'est pas mal là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Commence à avoir quelque chose de sympa là. Commence à avoir quelque chose de très très sympatoche. Ok, alors là. La chose que j'aurais dû faire avant, c'est enlever ces vitres. Non, mais on va laisser ces vitres comme ça là. Clac. Là, on va mettre du rocher là. On va balancer du rocher. Comme ça. Check. Hop là. Voilà. Bim. Hop là. J'aime bien les rochers, j'en mets partout. C'est un peu l'élément de décor facile, je trouve. C'est peut-être trop facile, du coup. Mais bon, ça va bien. Ça va super bien pour faire des trucs rapidement et qui ressemblent à quelque chose. Pas beaucoup là, mais j'essaie de d'avancer vite. Excusez-moi. Ça me plaît pas. Oui, ça c'est pénible. Ça c'est pénible. Si je fais comme ça d'ailleurs. Pas ce que je voulais faire, ça, mais bon, c'est pas grave. Hop, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, là on va en rajouter un peu devant parce que ça fait pas terrible là. Hop.
Là, j'ai pas trop réfléchi là. Comment je vais faire? Ouais, j'ai même pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire ici. Bon, on va mettre des pierres. Hein. On va mettre des pierres. Je pourrais faire une petite cascade là-dedans d'ailleurs. Ce serait sympa. Petite fontaine là. Ouais, je pourrais faire une petite fontaine là, tiens. Un petit truc avec de l'eau là. Ce serait stylé ça. De l'eau qui sortirait de là au milieu et puis qui tomberait dans les rochers là. Ça pourrait être joli ça. Très très sympa même. Par contre, il va me manquer pas mal de choses. Est-ce que là, je peux monter travers les cailloux? Ok. Pas faire que ce soit trop haut non plus. Hop. Trois, c'est trop. Un. Pas assez. Deux. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'eau. Je pense que là, on est suffisant, là, vous voyez. Pas du tout ce que je fais derrière, est-ce que je peux mettre mon eau? Non. Je peux pas mettre mon eau là. Ça ne va pas, c'est sûrement pas assez haut. Là, ça va faire trop haut du coup par contre. Là, ce serait pas mal, là je pense. Normalement, je dois pouvoir arriver à faire un truc. Je pense que ce qui va me gêner, ça va être ici, là, non? Là, faut que j'arrive à faire un truc qui va jusqu'au bout. Voilà. Ok, donc là, on doit être bon, je pense. Ok, là maintenant je dois pouvoir arriver à creuser doucement là-dedans pour l'agrandir mon truc. Voilà. Voyez. Hop, puis là on va creuser un peu, histoire qu'il y ait un peu de fond quand même. Voilà. Ok, si maintenant je mets mon eau là. Yes! Voilà, c'est stylé. Ok, très bien. Ah, on est en train de faire des trucs sympas. Hein. On fait des trucs pas mal maintenant. Là, on a de la déco cool là. La déco cool. Hop. On va faire tout ça en rocher par contre là, évidemment. Hop. Non, celui-là il va pas. Celui-là il va aller. J'espère que c'est pas trop haut. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Peut-être
Tac. On peut mettre des gros un peu aussi. Hein. Toute façon, voilà. Tac. C'est du naturel, hein, après tout. Ah oui, il y a celui-là aussi, le gros rocher. Qui peut être pas mal. Comme ça, là. Hop. Là, il me faudrait du petit pour mettre là-dessus, là, voilà, comme ça. Cacher ce bout de terre qui dépasse, là. Colle un peu des petits rochers pour combler les trous là. Voilà. Ensuite, on va continuer notre contour là. Choc. Hop. Hop, ça c'est juste pour essayer de faire que ce soit pas trop tout le temps le même rocher. Hop, est-ce qu'on a d'autres des gros là? Celui-là il ressemble à quoi? Pas très très gros, bon, il passe là. Pouf. Tac. Voilà, on aura réussi à faire un truc stylé là. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Hop. Clac. Eh bah c'est super joli mon petit coin là. Il n'y aura plus qu'à y mettre quelques plantes. Il n'y aura plus qu'à y mettre quelques plantes et quelques petites cascades là. Et ça va être super classe. C'est vraiment trop stylé, je trouve, ce que j'ai fait. Là, quand on va avoir des petites chutes d'eau là au milieu, là. Ça va être moui moui joli. Ok, on va finir ça. Ah, c'est chiant ça. Allez. Ah, putain, je peux pas. Voilà. Le zoom il fait un peu n'importe quoi. Ok, faut que je me mette en mode T, voilà. Ok, donc là on a notre plafond qui est bien fait, il nous reste juste là à combler un peu avec des pierres ici là. 8. Hop. Hop. Alors, j'ai pas du tout regardé à combien de temps j'en étais. 43 minutes, eh oui. Chaque fois je me fais avoir. Hein. C'est ouf, hein. À chaque fois je me fais avoir. Oh là, oh là. Oh là, tout doux bijou. Clac. Compliqué à mettre en place ça. Ok. Légèrement comme ça. Hop. Est-ce que je passe pas au travers là? Non. Parfait. Ok. On est bien là, non? On est pas mal du tout. Si je rentre dans l'eau là, qu'est-ce que ça donne? Là, je pourrais remettre un peu de pierre là, ici, là, c'est pas beau là. Merde, j'espère que j'ai pas enlevé ma pierre. Et putain, si. C'était laquelle? C'était celle-là. Ok. Alors, là-dedans maintenant, ici. Ici, il faudrait que je masque un peu tous ces trucs-là, c'est marrant. Ils ont même fait les sons un peu étouffés quand on est sous l'eau.
C'est très drôle. C'est très très drôle. Je crois que j'ai pas pris le bon là. Taïga, Taïga, c'est plus les bons. Celui-là. Hop. Bon, et ben on en aura posé des rochers, hein. On en aura posé des rochers. C'est bien. C'est ce que je voulais. Avancer ça. Oh putain, c'est chiant. Pouf. Hop. Lui, comme ça. Voilà. Boum. J'aurais même pu le mettre un peu plus haut celui-là. Pour que ça fasse un peu comme les autres là. Voilà. Hop. Tac. Bam. C'est bien les rochers parce que même juste en les superposant, on n'arrive pas à voir que c'est les mêmes rochers. Ça fait classe du coup. Hop. Bon là après on verra comment on fait. Et ben voilà, c'est pas mal ça du tout, hein. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite enseigne là? C'est donc quoi déjà? Construction, enseigne, hop. Alors faut que j'enlève le mot pierre là, hop. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit hippopotame là-dedans là, dans ces trucs là? Là on a ça en hippo. C'est un peu petit. Truc comme ça en forme d'hippo là. J'avais un éléphant. Là, il n'y a pas un hippo là-dedans. Non, non. Non. Il y a un rhinocéros. Alors qu'il n'y a même pas de rhinocéros. Bon, on va mettre ça, on verra après. Ah, oh, ça l'a pas posé? Ah oui, parce que je me suis mis à éditer le bâtiment. Donc on va faire comme ça. On va faire un truc un peu comme ça. Non, la fleur, ça va pas, je trouve. Plutôt des feuilles. Les hippos, c'est plutôt des feuilles. Ah, ça va pas, ça. Ah, ça va pas du tout. Bon, c'est ça que je veux. Clac. Voilà, comme ça. Très bien. Vous voyez? Hop. Faire un truc stylé. Ah bah si, y en a un hippo. C'est un hippo, ça, on est d'accord. Hein. Hippopotame. On va plutôt mettre ça comme ça, alors. Check. Paf. Puis lui, on va l'enlever. Voilà, stylé. Très bien, c'est parfait, ça. Parfait, parfait. Il n'y en a pas des rhinocéros, hein? J'ai pas rêvé. Peut-être qu'il y en a, je suis pas sûr. Hop, là on a les hippos. Là, ce serait bien qu'on mette des petites décos, après on verra. On verra ce qu'on rajoute là. Là, on fera nos petites cascades de la prochaine fois.
Et voilà, notre enclos des hippos prend largement forme. Alors là, et ça, on pourrait faire un truc du genre. Ça, on va lever un peu là, juste que. Bon. Ouais, c'est déjà mieux déjà. On essaiera de cacher un peu mieux ces trucs-là, mais bon. C'est déjà pas mal. Oh, on a une pierre qui traverse là. Zut. Je vais redescendre un tout petit poil. Hop. Elle est en double. Je l'ai posée deux fois. On va vérifier quand même. Ah, voilà. Ok, très bien. Il n'y aura plus qu'à mettre des petits bancs là-dedans. Hein? Des petits bancs là. Comme ça. Sur le thème de l'Afrique ou pas? Ah mais c'est immense en fait ce bâtiment que j'ai fait là. C'est genre gigantesque. Est-ce qu'on met pas des jolis bancs comme ça, un peu design? Qu'est-ce qu'on a comme type de banc? Ça. Ça c'est pas mal, ça c'est joli, c'est bon. J'aime bien. Ça non. Ouais, bof. Planète Zoo. J'aime bien ceux-là, moi. Ils ont pas de dossier, quoi. Ceux-là, ils sont mieux quand même. Ceux-là, ils sont stylés. Tac. Est-ce qu'on peut pas les personnaliser? Non. Dommage. Dommage. Pourquoi ça s'est pas mis droit là? Ah, mon chemin est un peu tordu là, je pense. Alors, je vais prendre les deux bancs là. Ah! Celui-là. Non, ça prend quoi là? Je veux le banc, moi. Barre-toi. Je veux le banc. Décaler un peu par là. Mais. C'est possible ça. Bon, allez, on va dire que c'est bon. J'ai la flemme d'en faire mieux que ça. Là, on pourra mettre des distributeurs un peu. Ça, c'est un truc qu'il faut que je rajoute d'ailleurs. Un peu partout, des distributeurs de boissons. Pour faire bien. Il faudrait que je mette plus de pierres en fait là. Tout le dessus là. Ouais. On va rajouter des pierres là. Nature. Attendez. Pas s'embêter. Voilà nos pierres là. Groupe. C'est tout du même groupe ça? Bah, vas-y. Moi je vais prendre ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà, il y a pas une petite pierre qui traîne là, voilà. Ça, c'est très bien, contrôle D. Hop, on se met ici. Et... Ah putain. Des fois ça fait un peu n'importe quoi. On va mettre ça comme ça. Ça me plaît pas trop dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens. Voilà, c'est pas mal comme ça. On va juste les décaler un peu. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est bien. On va voir après ce qu'on fait dessous. Celui-là il me plaît pas trop. Celui-là. Celui-là il me plaisait pas trop. Voilà, comme ça c'est bien. Comme ça il y a notre hippo là. Faudra cacher tout ça quand même. On verra. C'est plutôt pas mal cette zone-là. Hein. C'est plutôt stylé, hein. On fera l'enclos autour et puis on sera bien. Allez, on est bien là, on a bien avancé là sur notre petit enclos là. Là, on va avoir un autre enclos là. Donc là, on avance les deux en même temps en fait. On va faire cet enclos là et l'enclos des hippos et après on mettra des animaux dedans. Je sais pas ce qu'on mettra, on verra.
On verra, celui-là est assez grand, peut-être qu'on mettra plusieurs espèces. Oh, assez grand, remarque, il est aussi grand que celui des éléphants. Hein. J'aime beaucoup mon zoo. J'aime beaucoup ce jeu. Hein. J'adore vraiment ce que je fais. Tiens, là j'ai un trou. C'est pas grave, c'est rigolo. Ok, c'est très bien. En plus, je commence à avoir pas mal de crédits de préservation non, maintenant, donc je vais pouvoir m'acheter plein d'animaux. Prendre directement des dorés, comme ça on s'embête pas. Avec des médaillés qui tiennent bien. Voilà. On a des belles petites zones maintenant. Ah oui, j'ai commencé aussi ici à faire des rambardes un peu jolies. Donc on essaiera de faire tout ça hors vidéo, hein, parce que c'est long et chiant à faire ça. Hein. C'est long et chiant à faire. Faire petits trucs comme ça. Ah oui, si, je sais plus si je vous avais montré aussi. Attendez, hop. Voilà, faire des petits trucs comme ça, là, voilà. Faire tout l'enclos comme ça va être long. J'ai fait des petites barrières. Si, je crois que j'avais montré dans la dernière vidéo, faire les petites barrières que j'avais fait comme ça. J'en ai mis un peu ici, j'en ai mis un peu là-bas. Je vais essayer de mettre toutes ces petites barrières dans le truc thème Afrique, là. De partout. Et on sera bien. Ok, donc là, je vais pouvoir prendre aussi, là-bas, dans mes trucs qui sont là-bas, l'hippopotame. Là. L'hippo. Hop. Ah, celui-là aussi, je crois que je l'ai, non? Je sais plus. Là-bas dedans, là-bas, oui, je l'ai dans l'autre enclos, là-bas, le buffle maintenant. L'éléphant, je l'ai mis là. L'hippopotame, on va le mettre où ça? Par là? Par ici, là, sur le pont. Merde, je me trompe de bouton. Sur le pont, là, on va mettre ça, là, ce panneau-là. Comme ça, ou on le met devant, là? On va le mettre devant, là, plutôt. On va le mettre par là, là. Ce sera bien par là. Tac. Dans là. Chose comme ça. Quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Voilà. On mettra des panneaux éducatifs et tout. Ce qui va falloir que j'en rajoute, je crois, des panneaux éducatifs aussi. Ah, sur les singes là-bas, j'ai pas dû en mettre de partout. Et surtout, il va falloir que je rajoute des distributeurs parce que je vais vous montrer dans les. C'est quoi ça? Zone d'éducation. Non assigné. Ah oui, j'ai pas assigné cela d'ailleurs. Ah, très bien. Donc là, on va mettre les éléphants. Là, on a un panneau éducatif. Là, on a les éléphants. Là, on a un haut-parleur sur les éléphants qu'on peut agrandir. Ok. Et là, ce truc-là, on va faire les éléphants. Et on verra la trajectoire de lancer de nourriture est obstruée. Ça va pas aller, ça. Il va falloir le mettre à l'extérieur. Bon, on va le mettre à l'extérieur alors. À mon avis, ça le fait pas. Placement irrégulier. Ah oh, putain, il y a le sol là qui est tout pourri. Bah écoutez, on va le mettre par là, ça les fera venir ici. Ouais. La trajectoire de l'ancienne nourriture est obstruée, comment ça? C'est quoi ta trajectoire de l'ancienne nourriture là? Oh! C'est pas possible, si je te mets là. C'est pas possible ce truc. Si je le mets par là. Lancer de nourriture possible. Ah! Bon, ça les fera venir ici, hein, à la limite. Ça fera venir les éléphants par là. Ça fait un peu deux trucs juste à côté là. Ça, on va essayer de le décaler un peu plus par là. Du coup, on a un banc là qui est très mal placé. Oui, donc ce que je voulais montrer, c'est pas, on verra ça plus tard. Donc ce que je voulais montrer, c'est que mes visiteurs. Voilà, la satisfaction, elle est pas mal. L'énergie, c'est pas mal aussi. Donc j'ai rajouté pas mal de bancs, donc ça doit aider aussi. La faim. Alors là, on voit qu'ils ont pas mal faim par ici. Hein.
ceux qui sont là. Là aussi, mais a priori ils sont dans les restos là, donc ça devrait aller. La soif, c'est pareil, ici ils ont très soif, donc on va rajouter des... Je pense qu'on va rajouter des... Comment ça s'appelle? Des distributeurs. Les toilettes c'est bon. Ouais, c'est pas mal les toilettes. Ah, ils font la queue là. On est bien. Les toilettes, on est bien. Ok, donc voilà, donc moi sur ce... Oh, ça fait une belle vidéo d'une heure encore, hein. J'arrive pas à me tenir à des vidéos courtes. Hein. Service en panne, tiens. Bah, appeler un mécanicien. Ok. Voilà, j'en avais commencé à rajouter quelques-uns distributeurs là. Donc il faudra en rajouter pas mal à mon avis. Et du coup, embaucher des mécaniciens. Parce qu'apparemment, ça a l'air tombé en panne souvent. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!